Créer un nouvel outil performant pour améliorer la biotransformation, c'est le défi que s'est fixé l'équipe du projet Eco2 BioPro. Alors nous transformons des huiles végétales ou des huiles de friture ou des huiles qui proviennent des micro-algues par des différents réactifs qui transforment ces produits de départ dans des produits, par exemple dans des lubrifiants qu'on peut utiliser dans des moteurs ou systèmes hydrauliques. On peut également produire des surfactants qu'on peut utiliser pour faire la vaisselle ou du biodiesel comme carburant pour nos voitures. Pour permettre d'optimiser ce processus, un nouveau bioréacteur a été mis au point. Ce système est plus efficace que ceux utilisés aujourd'hui dans l'industrie et surtout très économe en énergie. On utilise moins d'énergie. Donc dans les anciens réacteurs, on utilise un chauffage externe pour chauffer un réacteur à l'intérieur. Là, on utilise des ondes qui sont absorbées uniquement par la matière dans le réacteur. Donc on perd presque pas d'énergie. Autre nouveauté, la forme cylindrique de ce bioréacteur permet de chauffer les substances de manière uniforme. Le mouvement de rotation facilite le mélange et donc les réactions chimiques. Les opérations du système peuvent être pilotées à distance à travers Internet. Et on peut vendre un réacteur comme celui-là à une entreprise et on peut faire un service à distance sur le réacteur et aider tout de suite s'il y a des problèmes. Pour réaliser ce projet, nous avons utilisé toutes les compétences qu'on trouve en HESSO. Nous sommes des biotechnologues, on maîtrise une partie de ce projet. Nous avons des collègues en chimie qui nous ont aidés à développer des processus de purification. D'autres collègues ont construit ce réacteur, donc des ingénieurs de mécanique. Il y a des ingénieurs d'informatique qui ont développé l'outil de pilotage. Ce type de bioréacteur n'existe pas encore. Sa conception révolutionnaire va permettre de développer des modèles de plus grande contenance et surtout à l'échelle industrielle. Comme ça, on peut baisser le prix de la production. Aujourd'hui, la biotransformation pour des lubrifiants, pour des surfactants, pour le biodiesel est beaucoup trop chère. Mais avec ces outils-là, on peut baisser les coûts et produire dans une manière durable.